Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Docteur Michaels? Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio de sable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, gares. Après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? Il devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable. Ça le mubile depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes. Mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à pouvoir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. À toutes les unités, des agents ont pris en chasse plusieurs véhicules dangereux. Demande de renfort à Hudson Town. Felicia croit qu'elle joue avec moi, mais j'apprends quelque chose à chacune de ces scènes. Je t'ai trouvé. Un grand avocat vit ici, je crois. Elle doit chercher de nouvelles cibles parmi ses clients. Ça me fait mal de le dire, mais elle est sacrément futée. Doc a laissé un message. Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inestimable. J'aimerais que tu puisses voir ses conséquences. Mais je commence à réaliser à quel point les forces qui s'opposent aux véritables visionnaires sont puissantes et pernicieuses. Nous atteindrons la victoire, quoi qu'il en coûte. Je te promets que ce ne sera pas long. Les forces puissantes et pernicieuses? Ça ne me plaît pas beaucoup. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? D'après Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Vous avez la possibilité d'acheter vos billets au guichet automatique de l'ensemble. Visiblement, Oscorp a investi les lieux. C'est genre une expo high-tech d'Oscorp. La gamme de munitions intelligentes brevetée Oscorp, équipée de capteurs, a réduit de 94% le taux de victimes accidentelles sur le champ de bataille. Ah. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par onde sonore. Dans quelques mois, vous pourrez acheter un téléphone que vous n'aurez jamais besoin de brancher. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers du globe. Pour plus de renseignements, merci de vous rendre à l'espace clientèle. Apparemment, Osborne a fait appel à une aide extérieure. Ça fait des sacs de poche. Voilà. Chiffre redonné avec l'encodeur Cerber d'Oscorp. Qui était encore là, le seul algorithme du monde mathématiquement prouvé, inviolable.
Des petites coupures aux blessures par balle, la nanotechnologie brevetée Oscorp peut multiplier la vitesse de rétablissement par mille. Plus qu'une simple histoire d'argent, nous vous faisons gagner du temps. La gamme de munitions intelligentes brevetée Oscorp, équipée de capteurs, a réduit de 94%. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Du maire Osborne. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande ? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous ? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Vous aurez plus de sang sur les mains. Sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fiches le camp. Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mental. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Qu'est-ce qu'il fabrique, Spider-Man? Je vous en prie, j'ai une famille. Il y a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien ? À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Vois la tablette que j'ai devant moi ? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper ? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Ok. Je suis prête. Attention ! Tenez bien ! Ok. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. Shandong Yichong. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? On va tous se détendre. Ting ! Pour un bani et je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment ? D'abord. Lâchez-le. Li Shenzhen, 这记者说他知道怎么找到奥斯本。 遵命。 把他带到这边来，跟其他人分开。 李先生马上就到。
Avance. Ok, pas de problème. Allez, allez! J'y suis presque. Ça y est! Bien joué. Maintenant, faut que tu sortes d'ici. Et le souffle du diable, alors? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard. Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. Ils sont encore trop proches. Ça a marché. Attaque! Tu peux essayer de séparer ce groupe? Ok, je vais essayer de les séparer. Chope-le. MJ, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça? Je te fais confiance? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Non! Tu peux essayer de séparer ce groupe? Ok, je vais essayer de les séparer. Maintenant. Chope-le. MJ, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête ! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Vas-y. Élimine-le. Élimine-le. Tu as dit que 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 tu as dit
控制机在手上。 Vas-y. 不过如果他跑掉。 Lancez le décompte. C'est le moment. Détourne leur attention. Je m'occupe du souffle du diable. T'es sûr de ce que tu fais? Non. Mais c'est pas ce qui va me freiner. Ok, qu'est-ce que tu vois? Bon, je vois quatre fils. Il y en a deux bleus, deux... Oh, ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Ok, j'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Quoi? Le décompte vient de passer à 30 secondes. Ah, c'est un circuit de secours. Et après? Le ventilo? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas que tu traînes. Débranche le ventilo. Bon, maintenant le rouge. Ça y est. T'as réussi? Quoi? Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurai besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt? Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Panier. Je dois faire attention ou ils vont s'en prendre aux otages. Je m'occupe. Tu l'as pas vu venir celle-là. Absolument à terroriser New York. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais que c'était lui. Fais beau rêve. Neutralise encore un ou deux, et vous pourrez y aller sans danger. Dépêche. Les dodos. MJ, allez-y. Bien reçu.
Suivez-moi, par ici. MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Hey, Peter. Ouais? Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'abord, oublie et mets-lui une raclée. Si MJ a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas être à sa place. Là, je me sens pas hyper tranquille. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York? C'est fou, hein? On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Ah bah oui, à qui le dites-vous? On n'en fait plus des comme ça. C'est que les New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Enfin bref, je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain, mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Pour s'enfuir, je dois pas le laisser filer. L'accès au quai est ouvert. Lee doit se trouver par là. Il va m'échapper. Te voilà enfin. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Est-ce que vous faites ça? Pour régler une vieille dette. Tu vas mieux de rester à distance. Je vais attendre une meilleure occasion. Proche et je règle son compte. Il s'épuise, on dirait. Non, jamais.
bon moment. Il est vulnérable. Vous êtes malade, je peux vous aider, Martin. Pas de frein ? Pas de problème. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e ? Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi ? Prochain arrêt, la prison. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant! Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Les textos, ça compte pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Oh. Réponds non. Ah, ok, ça va. Eh ben non, ça va pas. Mais à quoi elle veut réfléchir ? Tu crois ? Génial. Vous avez réussi. Lee est en route pour le raft, sable a le souffle du diable en main. Comment vous vous sentez ? Comment je me sens ? Je vous fais la version longue ? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci, Yuri. J'avais besoin de l'entendre.
pendant que j'ai... T'es avec Lee, je me suis pas occupé de la ville. Il est temps de retrouver l'araignée sympa du quartier. De l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants. Sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latte. Vous pourriez être la prochaine victime. Les démons sont plus dangereux que Beast l'a jamais été. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Que Martin Lee incite des hommes à attaquer la police. Alerte aux pigeons! Oh non, on part pas! Oh hey. J'espère que personne ne va filmer ça. Ok. Tout a l'air plus ou moins sous contrôle. Il serait peut-être temps d'envoyer Peter Parker au labo. Jaloux.
je n'en doute pas, mon grand. Les démons ou sable. Alerte aux pigeons! Reste là! Je te prends pas de mal! D'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du Raft la nuit dernière. Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise, non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste. Missile central, comment ça évolue à Gozé? Cœur. Notre transport est pris pour cible par les démons.
Salut, oncle Ben. Tu me manques. J'espère que t'es fier de moi.